peux déverrouiller ça? Ok. Voilà qui est fait. Tout cela n'a aucun sens. Je comprends absolument tous ces codes, à l'exception de ce symbole. C'est une cage. Est-ce qu'elle a expliqué quoi que ce soit? Non. La main du prophète, le vaisseau de Comstock. Nous devons absolument monter à bord. Bouge pas, je m'en occupe. Soit nous y allons tous les deux, soit j'y vais seul. Dans les deux cas, je dois savoir que c'est fait. Oh, DeWitt, acceptez la prophétie. Arrêtez de vous débattre. Vous êtes la pierre dans la fronde. Admirez toute la beauté du lancer et l'excitation de la descente à mesure que la gravité vous rapproche de l'inévitable. À époque dangereuse, mesure dangereuse. Protégez vos femmes et votre bateau. Regardez ça. Des crochets. On en aura toujours besoin. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure. Restez sur vos gardes. Voilà qui est fait. On a des munitions. Armes de belle facture et toutes sortes de choses mortelles. C'est quoi ce bruit? Là! Cachez-vous! Sûrement des éclats? Non, pas des éclats. Ce sont... Regarde bien, Elisabeth. J'ai construit tout ça pour toi. Tu es mon héritière, mon sang. Et qu'est-ce que DeWitt a fait pour toi? Pour lui, tu ne seras jamais rien de plus qu'un moyen pour arriver à ses fins. Une bouteille de cristaux! Prenez ça! Je te remercie! Merci! J'ai des munitions! Soyez prêts! Chouette! Arrêtez-le!
J'ai rien trouvé. Oh, ouvrez-moi. Réjouissez-vous, car vous ne sentirez pas la mort. La miséricorde est l'objet du Seigneur. Elisabeth. Très bien. Désolé. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Cherchez-le. Mais rien d'autre pour le moment. Vous êtes blessé. Allez, approchez. Booker, des munitions. Super! Vous n'êtes pas à la hauteur. Je t'en prie! Ok! J'ai ramassé des cristaux! Oh, ici! Génial! Emmener jusqu'à la main des prophètes. Vous croyez qu'on a la possibilité de racheter tous nos actes ? Racheter ? Je vois pas trop l'intérêt. Booker, est-ce que vous craignez Dieu ? Non. Mais je te crains, toi. Les hommes de Comstock viennent à notre rencontre.
autre vaisseau sur la gauche. Regardez, la Vox Populi, elle attaque le vaisseau. Booker, des roquettes. Génial! Atterrir et nous battre pour le rejoindre.
Ou alors, on peut mettre le cap sur Paris. Vous avez le droit de me laisser là. Ce n'est pas votre problème, Booker. Je ne vais pas t'abandonner. C'est bien vrai? Vous le jurez? Regardez! Des lignes d'aérotram, partout sur le vaisseau! Elles sont couvertes de capsules pour patriotes motorisés. C'est de là qu'ils doivent sortir. On doit se débarrasser des capsules si on veut approcher. Comstock est au sommet du vaisseau. Allons-y! Regarde, DeWitt. Regarde-le. Il y a quelque chose chez lui que tu n'arrives pas à saisir. Tu comprendras bientôt qui je suis et qui il n'est pas. Je vais vous expédier 6 pieds sous terre. Mieux tomber. Le ménage. J'ai vu les premières étincelles qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui vais mener à bien cette mission. C'est toi qui t'en chargeras, Elisabeth. C'est ta mission.
La voie est dégagée, Booker. C'est de la folie, mon garçon. Poursuivez-le. Elles ne vont pas plus vite. J'en sais rien. Il faut qu'on patiente. Un quart des capsules ont été éjectées. Seulement ? On est à la moitié. Les trois quarts. C'est vrai qu'on n'est pas pressé. Tu vas payer ta vie. Rien trouvé. Je me mets à couvert. Soudain, un patrouillage. Bouteille de pistolet. Booker, la voie est libre. C'est peut-être moi qui vous terrasse, DeWitt, mais vous n'êtes jamais loin de l'autodestruction. Vous causerez peut-être votre propre chute. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Non, je viens avec vous.